Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux organisateurs du colloque de m'avoir proposé de présider ce premier panel. En particulier, je remercie Karine, que j'ai le plaisir de côtoyer quasi quotidiennement à la faculté de Tours. Un mot, oui, sur ce colloque qui est important scientifiquement, on l'a compris à travers les prises de parole qui viennent d'avoir lieu. C'est un colloque scientifique eu égard au droit institutionnel de l'Union européenne, dans également sa dimension normative et contentieuse. C'est un droit qui est important sur le plan scientifique également s'agissant du droit matériel de l'Union européenne. C'est la question de la politique migratoire, mais la question de la liberté de circulation plus généralement des individus dans l'Union européenne, ça met en jeu, en cause, les valeurs qui sont celles de l'Union européenne, la manière dont l'Union européenne se projette à l'international dans le cadre de ses relations avec, ici, les voisins, un voisin particulièrement proche, avec lequel l'Europe entretient des liens de très longue date, d'ailleurs. On en est ici, on l'a compris, à un moment plutôt creux de ces relations entre l'Union européenne et la Turquie. Et puis, c'est un colloque dont les enjeux politiques viennent d'être soulignés. La situation actuelle met en jeu les éléments fondamentaux tenant à l'état de droit, avec le retentissement, bien sûr, sur la vie concrète d'un certain nombre d'individus. J'ai donc le plaisir de présider ce premier panel. Je vais donner la parole... je crois que c'est dans cet ordre-ci que les choses ont été pensées par les organisateurs. À Dina Angeli, c'est bien ça? C'est vous qui prenez la parole en premier. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau d'Athènes. Vous avez la parole pour 10 minutes. Alors, je serai très strict sur le respect des temps de parole. Donc c'est pas dans, c'est mieux ce qui me semblait, d'accord. Bon, alors, donc je donne la parole à ma collègue Marie-Laure, Marie-Laure Basile-Linguinche, qui est professeure à l'Université Lyon 3. Et donc je le redis à l'attention des intervenants, je serai très strict sur le respect du temps de parole. L'objectif du colloque, la valeur ajoutée d'un colloque, c'est les échanges entre les intervenants et la salle. C'est pourquoi donc j'utiliserai ces petits cartons qui ont été préparés par la fille de Marie-Laure. Vous voyez, voilà. Tout le monde participe à la vie de l'université. Marie-Laure, tu as la parole. Il m'a été demandé finalement par Karine Abderrahmane de travailler sur cette notion de menace pour la sécurité des individus et l'état de droit, j'avoue que j'avais beaucoup de mal à savoir comment engager la réflexion. Et suite en fait à des travaux que je mène sur le développement de l'utilisation de la soft law en matière de gestion des migrations, je me suis dit que cette menace pour la sécurité des individus et l'état de droit passait par des dispositifs de contournement de la protection des droits, dispositifs étant employés ici dans le sens de Michel Foucault, d'organisation faisant intervenir de multiples acteurs pour parvenir à instaurer une violation quasi industrielle des droits fondamentaux. Sécurité des individus et principe de l'état de droit, je ne reviendrai pas sur cet état de droit qui a une composante substantielle de protection des droits fondamentaux, il s'agit là de sa finalité. Et je ne reviendrai pas sur sa composante formelle qui est celui de la répartition des pouvoirs pour empêcher les abus de pouvoir, il s'agit ici de la modalité d'organisation. Je voudrais simplement insister sur le fait que cet état de droit est menacé en matière de gestion des migrations. Parce que la finalité des politiques européennes d'immigration et d'asile, qui est dans le traitement de masse, dans le traitement de flux, se fait au péril, au mépris, aux dépens des droits des individus. Et parce que la modalité d'adoption des politiques européennes d'immigration et d'asile permet aux autorités exécutives de se dégager des pouvoirs des organes législatifs et des organes juridictionnels en matière d'élaboration de la norme et de contrôle de la norme, comme l'a expliqué Karine Abderrahmane dans son introduction. Aujourd'hui, il y a bien menace de la sécurité des individus et de l'état de droit. La déclaration conjointe UE-Turquie en est l'exemple, un communiqué de presse,
qui est publiée suite à la réunion des chefs d'État et de gouvernement avec le Premier ministre turc Davutoglu. En réalité, c'est un accord international, selon Tomáš Pikebourg, qui le démontre très bien dans ses derniers écrits, qui a été adopté en violation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 218 et 79, paragraphe 3, même si le tribunal de première instance de l'Union européenne ne pense pas que cela soit le cas et s'estime incompétent pour se prononcer sur sa validité dans sa décision du 28 février 2017, que Tomáš Pikebourg analyse avec beaucoup de subtilité dans un de ses derniers articles sur « Bifurcation of Mobility, Bifurcation of Law ». Cette déclaration conjointe a eu des implications nationales, avec une promotion implicite de la notion de pays tiers sûr, comme l'a développé Pierre-François Laval dans son introduction, qui permet en fait aux États de considérer comme irrecevable toute demande d'asile d'un ressortissant de pays tiers ayant transité par un tel pays considéré comme sûr. Et c'est d'ailleurs un des éléments clés du troisième paquet asile aujourd'hui en discussion, qui est une véritable dénégation des obligations internationales, européennes et voire constitutionnelles des États membres de l'Union. La Grèce a adopté la loi 4357-2016, qui a été modifiée par la suite pour tenir compte d'une modification de la composition des comités d'appel, comités d'appel qui estimaient qu'il fallait vraiment reconnaître le droit d'asile. Et c'était bien embêtant, l'Allemagne ayant demandé à la Grèce, ayant imposé à la Grèce une modification de cette loi pour que la composition des comités d'appel aille dans le sens d'une non-reconnaissance des demandes d'asile. En Turquie, il y avait bien la loi sur les étrangers et la protection internationale numéro 6458 du 4 avril 2013 qui a été modifiée par les décrets le roi pris sous l'état d'urgence suite au coup d'état manqué de juillet 2016, notamment le décret loi KHK 676 du 29 octobre 2016 qui a été notifié au Conseil de l'Europe le 17 novembre 2016 et qui a donné lieu à un rapport particulièrement virulent et vigilant de la Commission de Venise. Deux points que je voudrais développer avec vous. Il y a menace pour la sécurité des individus et l'état de droit parce que la relation UE-Turquie aujourd'hui va provoquer une systématisation de la privation de liberté des migrants et parce que cette déclaration entraîne une systématisation des mécanismes de refoulement. Systématisation de la privation de liberté. On doit évoquer les inquiétudes concernant le fondement de la détention. En Grèce, on voit bien que la détention, la privation de liberté est fondée sur une discrimination à raison de la nationalité, ce qui est en totale violation des obligations internationales et européennes, en particulier l'article 5.1.F de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a une détention systématique par la police hellénique des migrants qui ont une nationalité ayant un faible taux de reconnaissance de la protection internationale, et même une détention systématique des migrants syriens qui bénéficient pourtant d'un taux élevé de reconnaissance de la demande d'asile depuis le 20 mars 2016, puisqu'ils proviennent d'un pays tiers sûr. La détention y est particulièrement dangereuse du fait de la promiscuité, du fait du manque de certitude, du fait du manque d'information, au point que le HCR a eu cette idée absolument sublime, sublimement inique, de créer des zones sûres dans les hotspots qui soient réservées aux enfants pour qu'ils ne soient pas victimes d'agressions sexuelles. En Turquie, il y a, du fait de la loi de 2013, la reconnaissance d'un statut de réfugié conditionnel qui permet un séjour régulier mais qui ne permet pas d'accéder au long séjour, qui ne permet pas d'obtenir le regroupement familial. Et il y a la reconnaissance éventuelle du statut de réfugié temporaire qui concerne les seuls ressortissants syriens avec un accès à différents droits qui est reconnu en principe
mais qui est ineffectif en pratique. Réfugiés conditionnels et réfugiés temporaires, et bien plus encore ceux qui demandent ce statut, peuvent faire l'objet d'un éloignement si les autorités administratives considèrent qu'ils sont membres ou proches d'une organisation terroriste, sachant que le fait de manifester pour la paix est considéré tel, sans qu'il y ait de procédure formelle, sans qu'il y ait d'intervention du juge et sans qu'il y ait d'effet suspensif des recours. Nous avons des inquiétudes concernant les conditions de détention. Les modes de détention sont dans des centres fermés, qu'il s'agisse des hotspots en Grèce ou qu'il s'agisse de Pelivanski ou Kasseray en Turquie, ou qu'il s'agisse encore des camps informels, une quarantaine en Grèce, sans compter les squats, et un certain nombre en Turquie, mais dont on peine à établir une cartographie, mais Olivier Clochard aura certainement plus d'informations sur ce point. En tout cas, les conditions de vie y sont inhumaines et dégradantes, puisqu'il y a un total dénuement. Outre cela, il y a un défaut d'accès aux droits constitutif de véritables soucis, accès limité, voire inexistant, à l'éducation, à la santé, au travail, à l'information, à l'assistance juridique, au droit de déposer une demande d'asile, au droit d'asile, sans compter la torture qui est quasiment systématique en Turquie pour les ressortissants qui y sont retournés. Systématisation de la détention, systématisation du refoulement. On doit constater une pratique des retours forcés. Les textes de la Commission ont beau nous parler de retours volontaires, l'OIM a beau nous parler de retours volontaires, ce sont des retours forcés. Il y a une réalité, puisque les retours sont opérés sous la contrainte, menaces, mesures de rétorsion, désinformation, coups et blessures pour obtenir des migrants qu'ils signent des accords de retour volontaire. Il y a une absence de protection des règles de droit. Il n'y a pas d'évaluation, encore moins de réévaluation régulière de la vulnérabilité des personnes. Il n'y a pas de recours suspensif en cas d'éloignement en Turquie, où il y a un recours qui est limité à 5 jours en Grèce depuis mars 2017. Et il n'y a pas de conditions dignes, ni durant la détention pré-retour, ni durant les opérations de retour. On sait que les migrants sont automatiquement menottés. Et ce constat de pratique de retour forcé s'inscrit en fait dans un mécanisme de refoulement en série. Les retours vers la Grèce sont des refoulements, même s'il y a une présomption de respect par la Grèce des droits fondamentaux, selon le protocole Aznar, le fameux protocole 24 du traité d'Amsterdam, parce qu'il y a des dysfonctionnements structurels du régime d'asile. Je ne reviendrai pas sur les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire MMS, de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire NS, ni de la Cour administrative de Düsseldorf le 26 octobre 2017. Les retours vers la Turquie sont bien évidemment des refoulements, puisqu'il y a menace pour la liberté et la sécurité des migrants, plus encore depuis le 15 juillet 2016. Or, il s'agit de retour en chaîne, de refoulement en chaîne, puisque la Turquie va retourner les migrants qui ont été retournés en Turquie vers la Syrie, vers l'Irak, vers l'Afghanistan. À noter, et c'est pour le moins ironique, que l'OIM en Grèce demande aux migrants éloignés vers la Turquie de signer un formulaire de décharge de responsabilité de l'agence et des gouvernements quant aux blessures, coups, décès, atteintes à la sécurité et à la liberté pouvant survenir pendant et après l'éloignement. N'est-ce pas totalement inique ? Quant à Frontex, l'agence est chargée de fournir l'accompagnement technique aux autorités des pays tiers pour qu'ils puissent eux aussi passer avec leurs propres états tiers, non pas des accords de réadmission, mais des standing operating procedures, c'est-à-dire des accords de soft law permettant leur réadmission. Donc, un dispositif de contournement de protection des droits qui menace la sécurité des individus et qui menace l'état de droit. Tous les migrants se trouvant en Grèce subissent les conséquences de cette déclaration. Ils se trouvent piégés. En Grèce. Tous les migrants se trouvent en Turquie, en subissent les conséquences, ils se trouvent en danger et sous le coup d'un risque de retour.
La déclaration EU-Turquie n'est en fait qu'un exemple parmi tant d'autres d'une machinerie infranormative qui développe et déploie un modèle de sous-traitance aux pays tiers de la violation des droits des migrants. Déclaration conjointe de Balkan Roadmap du 18 février 2016, déclaration conjointe UE-Afghanistan du 2 octobre 2016, le Memorandum of Understanding Italie-Gambie de juin 2015, le Mémorandum Italie-Soudan du 3 août 2016, le Mémorandum Italie-Libye du 2 février 2017. Nous avons le SOP UE-Mali de juillet 2016, le SOP UE-Bangladesh de septembre 2017 et d'autres sont en cours de négociation. Menace pour la sécurité des individus, bien sûr ressortissants de pays tiers, mais aussi ressortissants de l'Union européenne, puisqu'on observe une dégradation. Nous avons un nivellement par le bas des droits des migrants. Le droit des migrants est un laboratoire qui va ensuite toucher les droits des ressortissants des États membres de l'Union qui ne sont pas dans leur État national et qui vient toucher aussi les ressortissants de l'Union. Comme Steve Pearce, on doit analyser les politiques et les mesures actuelles sous l'angle d'une urbanisation des sociétés européennes. Et j'aurais envie de conclure en parlant d'une erdoganisation des sociétés européennes. Merci. Merci Marie-La pour ce tableau sombre de la situation des personnes, on l'a compris. Je donne la parole sans transition à Zeynep Kıvılcım. Qui est maître de conférence en droit international, est détaché, si j'ai bien compris, à l'Institute of Advanced Studies de Berlin. Vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie pour l'organisation et aussi pour l'invitation. Je viens de l'Allemagne, de Berlin et de la Turquie. Je suis en fait une des universitaires qui ont été limogées par un décret-loi. Mon nom est apparu sur le journal officiel. Comme un juriste, c'est peut-être, je ne sais pas, c'était un sentiment assez bizarre. Et donc, c'était l'octobre dernier que je suis limogée. Et donc, depuis, je suis en Allemagne et j'enseigne et je fais mes recherches en Allemagne. Mais avant d'être limogée, en Turquie, j'enseignais les droits de l'homme et les droits des réfugiés. Et je faisais aussi des recherches sur le terrain sur la situation des réfugiés syriennes et plutôt les femmes et les LGBT. Ma recherche de la Turquie depuis 2 ans. Et maintenant, je vais plutôt parler de ce EU-Turkey Refugee Deal. Mais si vous avez des questions à propos de la situation des réfugiés syriennes en Turquie, on pourrait discuter sur ça. Ma présentation, je l'ai préparée en anglais. Mais après, pendant la session de questions-réponses, je peux vous répondre en français ou en anglais comme... vous voulez. I agree with all commentaries of my colleagues on EU-Turkey refugee deal and the it's very very problematic if you consider it as an important document about the migrants and how EU deals with migration, so-called migration crisis. But I would like to argue that the crisis is more deeper than only that we cannot only talk about immigration or the crisis of the European immigration law. But I argue with several others that it's the crisis of the European liberal democracy.
And we know that the état de droit is also a very important component of the liberal democracy and respect for human rights. And I would like to engage a discussion whether we could deal with this question about the deep crisis of liberal democracy in Europe, with also the success of right-wing parties in all over Europe. And if we talk about the Erdoganization of Europe, I think that there are already some very good colleagues of Erdogan in Europe. I think it's Erdogan is one of the totalitarian figures. He's already told about that the EU-Turkey refugee deal was presented as a response and the only rational response to the so-called refugee crisis. But I will also feeling of crisis was much more due to the numbers of the refugees trying to reach the European Union countries. Then EU appeared to feel surrounded by all these refugees coming, and that this was presented as a crisis to EU citizens. This was the feeling. But I first would want to challenge this according to the numbers, because it was the numbers, and we can see that you see the numbers, that Turkey hosts more than 3 million, and according to the UNHCR statistic, 90% of all Syrians displaced from Syria, 90%, they are still living in the region, and they are hosted in these neighboring countries and also in Egypt. And only around 1 million of Syrians, they came to Europe. And if we compare, if already, yeah, then it means that it's only 0.2% of the European population. Then it's already told what was the content of the EU-Turkey deal, and then never should have become into effect, because it's already told that the rights of the refugees are in jeopardized because of the collective expulsion and non-refoulement principles completely demolished. And also the legal basis of the deal is that Turkey is a safe country. My situation and my presence here could maybe challenge this argument. And I will not deal with the criteria in the EU law because it's already exposed by my colleagues. And then these are the cumulative criteria that these, but Turkey is failing in each of the components of these criteria. Then it is not any possibility that it's considered legally as a safe country. Turkey does not apply the Geneva Convention to non-European Turkey. There is a Turkey's geographical limitation to Geneva Convention. They cannot get refugee status. My colleagues who had the he presented before me told that there is a lower protection status in Turkey. This is a temporary protection status. And it falls short of the guarantees stipulated in the Geneva Convention. I don't have enough time, but I have to say that not all Syrians can have the temporary protection status in Turkey. They should come directly from Syria, or they should be returned from Greece. And now, since the border, territorial border, is almost completely closed between Syria and Turkey, then the Syrian nationals, they are coming through Lebanon, Saudi Arabia, or other countries. And I interviewed several Syrian refugees in Istanbul coming through other countries, and they are unable to have temporary protection.
This is a very, very important issue. And there is also now the visa obligation for Syrian refugees coming from, from other countries. The state of emergency is another very important concern. We can see that we have also a lot of colleagues, European colleagues, who are in favor for the EU-Turkey agreement, and they try to, you know, it's like an artistic, discursive mission to really argue legally that Turkey can be unsafe for Turkish citizens, but can be safe for refugees. And they say that we have to evaluate separately these two issues. It's a very artistic mission, but I think it's very difficult to deal with this mission, because under the state of emergency regime, is already told there is this decree law. Already, we cannot have the dream that in this kind of country, non-nationals they are in more security than nationals. But there is this decree law 676. And this is the decree law that dismissed me from the public service. The same decree law removed very significant safeguards against non-refoulement. And already the Committee Against Torture warns that Turkey is acting in breach of principle of non-refoulement. Turkey is already a country known by its breach, by its principles. There is a lot of several decisions by the European Court of Human Rights about this issue, but under the state of emergency regime, it's even worse. And what happens to people who return to Turkey, it's already told, then I will just, I don't have enough time, that they, Turkey has readmission agreements to the third countries, but Turkish ministry is already, you can see the declared readmission agreements is only in, with 15 countries, and there are many undeclared readmission agreements, and Turkey also started with energy for negotiating new readmission agreements with other countries after the EU-Turkey deal. And non-Syrian and Syrian refugees are detained in two different camps, and you have also information I've seen in your files. And the conditions in these camps are incredibly bad, according to the report. And the non-Syrians, they are sent back again to their country of origin. Yes. Then I will just conclude in 1 minute that the statement, it's falls outside the challenges of the EU treaty framework. It's already said, but the deal, it's now before the European Court of Human Rights. And it will be evaluated according its conformity to the Article 3 of the European Convention of Human Rights. I think it will be an important moment where two different legal orders of the Europe are kind of confronted, confronting each other. And I think for the migrants' rights, it's a very, very important challenge for the EU's action. My conclusion is that it's an extra treaty decision making, like my colleague already said. But I think that it's also EU-Turkey refugee deal is the cornerstone of the anti-immigration populism in Europe. We cannot take it apart from the sociological and political realities in Europe, that the European citizens are demanding the and asking for the non-respect of the migrants' rights. It's very, very serious question.
But we have to admit it. It's not only a legal question. That's why the crisis is so deep. Then the open and deliberate violation of long-established international legal frames for refugee rights, it's a regression in European legal democracy that the waters are asking even more breaches of migrants' rights. And I agree with several other commentators that it's driven by panic rather than commitments to any series of legal principles or values. And it is not the refugee crisis, but the crisis of Europe and Europe liberal democracy. Thank you. Merci, cher collègue, pour cette intervention qui fait le lien, en effet, entre deux crises, en tout cas, ce qu'on présente comme étant la crise migratoire et donc la crise de la démocratie libérale. Alors, crise de la démocratie libérale européenne, mais aussi en Europe. On pointe souvent du doigt l'Union européenne, on oublie que l'Union européenne, c'est aussi ce que les États membres en font. Et la crise politique, en l'occurrence, elle a lieu avant d'être... avant de se produire au sein de l'Union européenne, elle a lieu dans chacun des États. On peut pointer du doigt, vous l'avez fait, la montée des partis populistes de droite. On en parle souvent, de gauche également. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont présents de part et l'autre de l'échiquier politique, une forme de porosité, à mon sens, en tout cas dans le discours de certains populisme de gauche, pardonnez-moi. Une certaine porosité à l'égard de certaines thématiques qui historiquement étaient plutôt présentes à droite. Alors, pour discuter de ces deux premières interventions, je donne maintenant la parole à Daina Angeli, qui est avocate au barreau d'Athènes. Thank you very much, and thank you for your presentations and also for this initiative. So my colleagues very aptly summarized how the EU-Turkey deal restricts individual freedoms. You talked a lot about the detention, refoulement, but also the situation inside Turkey. And I couldn't agree more with the point that it the consequences and the legal paradoxes that occur are a reflection of a much bigger crisis taking place. I want to add a few thoughts in my capacity, not as an academic, but as a practicing lawyer in Greece, having practiced for the last 10 years in the asylum and migration field. To me, my experience of the impact of the EU-Turkey deal has been not only a series of legislative changes that have been happening over the last year with an amazing speed. Every 3-4 months we have a change in the law. So the EU-Turkey deal, in order to be implemented, actually for the EU-Turkey deal, in order to be implemented, legislative changes had to happen in the Greek law in order for it to have a legal footing in the law. But it's not only the changes themselves that are troubling, which indeed raise issues about freedoms, human rights. Are we upholding human rights standards and well-established principles? What has been more for me of concern is the ease with which these changes have happened, and even more troubling, the changes that are happening on the composition of the bodies, the independent authorities that are mandated with monitoring the asylum system in Greece. So it's not only the asylum system itself that is changing substantially, but also the bodies in charge of monitoring the asylum system, in charge of implementing the asylum system. And I have in mind the appeals authorities, and I have in mind the courts. Mm-hmm. To me, this raises a much bigger crisis regarding, because if we
agree with the UN definition of the rule of law, that the rule of law is a principle of governance in which we have legal certainty, we have transparency, separation of powers, avoidance of arbitrariness, then I think we really have a crisis as regards the rule of law, at least in Greece, and to the extent that Greece is reflecting EU policies and is deeply embedded in EU policies, maybe a larger EU rule of law crisis. In the slide that I have behind you, it's a very recent document dated 14 November 2017 that was prepared by the General Commission of the Greek Administrative Courts, addressed to the Ministry of Justice and Ministry of Migration and the Asylum Service in Greece. So in practice, it is a letter prepared by the representative body of the Greek administrative judges with the title Proposals to Accelerate the Asylum Procedure. They have six proposals. This document was prompted by what the judges felt a delay in how the asylum decisions were being issued in Greece. And the occasion was a judgment by the administrative court in Mytilene, so the island on Lesbos, basically, the island that has received the biggest influx, which lifted the detention of a rejected asylum seeker until he had exhausted domestic remedies, which was raised concerns as regards the speed implementation of the EU-Turkey deal if more rejected asylum seekers were going to be freed. So on that occasion, this document was prepared. So the first suggestion is a redefinition of vulnerability. And so the Greek administrative court suggests that persons with post-traumatic stress disorder should not be considered vulnerable. They explicitly say in the letter that many asylum seekers invoke this reason, and it has resulted in many preliminary decisions in order to assess whether they have post-traumatic disorder, delaying thus the in-substance decisions. I think it's general knowledge that victims of torture very often suffer a post-traumatic stress disorder, so this raises a series of issues. The second one is a redefinition of the final asylum, what the final asylum decision means. In Greece, we have currently three remedies. First instance decision, administrative; second instance, administrative; and third instance, which is before the courts. Until now, a final decision is the one delivered by the court. So the administrative courts review the application. Now, the courts themselves suggest that this should be changed. And already at the administrative stage, after the appeals authority, this should be considered a final decision. And that way, a person would become deportable. And the reason for this is because the administrative decisions are part of the fast-track procedure, and they can issue a decision very quickly, while once a case leaves the administrative level and goes to the courts, because of the heavy workload, we have a long, a long time ahead before a decision gets issued. The third one is a change in the notification system, how asylum decisions should be communicated to rejected asylum applicants. Until now, there is a standard practice, especially at the appeals level, that they literally call on the phone the asylum seeker so that he comes in person to take the decision. And this had dual functions. On the one, to ensure that everybody would stay in Greece, but on the second, it was in the aftermath of MSS versus Belgium in Greece, to ensure that everybody would have the right to an effective remedy and to appeal the decisions, because we had for many years the practice that decisions would come out, they would say they would be just notified on random municipal halls, public buildings, the person would not show up, and the file would be closed. So telephone calling the applicant was a remedy to this. So now the judges suggest that this should change, and we should go back to the old system of simply announcing the decision to speed up the process. The fourth one is the abolishment of the automatic judicial review of detention. So what happens now is that when the file leaves the police, or the border police, and goes
to the administration and the judges automatically review the validity of the detention. Now, the judges say that this step should be skipped as well, since anyway, the applicant has the right to request a judicial review of the detention, so there is no reason for double work. In the context of Greece, keep in mind that legal aid is a very big challenge right now. So obviously, the chance in practice, the chances of an asylum seeker himself or herself to request the review of the detention for anybody who is in Greece and knows the cause is quite a challenge. The fifth ground is that any new asylum grounds should be allowed only if there is fresh evidence provided. Now, the judges say in their letter the reason for this is because they have the habit that asylum seekers lodge an appeal using the standard form of the asylum service. Now, in the aftermath of MSS versus Belgium in Greece, to ensure that every asylum seeker would have the right to an effective remedy, the asylum service, when issuing a negative decision, automatically gives you a one page where you tick, I want to appeal, without even giving reason. And that way you're guaranteed the right to an appeal. Now, what happens in practice is that many asylum seekers appeal, but then until their case gets examined, they actually find their way to an NGO or to a lawyer. So then when the appeal examination takes place, suddenly they show up with a lawyer and a very many pages of appeals and new grounds and everything. Now, the judges say explicitly because there is a pattern of asylum seekers appealing using the standard form and then submitting additional reasons, which again causes a delay, that this should be abolished and they should only be allowed to invoke new grounds if they have fresh evidence to support it. And the sixth one, which is, I think, reflective of the bigger crisis, is they say that when a decision gets issued at the appeals level, it's fine if it's signed only by the chair of the committee and not signed by the dissenters. It's a three-member committee, by dissenting members, if the dissenting member has not submitted his or her views within 5 days from the day of deliberation. To me, this raises much bigger questions because, first of all, because of the workload, so an appeals of, committee examines around 100 cases per month. So obviously, a dissenter to write an opinion within 5 days from the date of deliberation is a challenge, but it raises a bigger question of to what extent are the dissenting views really that welcome, or maybe unwelcome, that the change is to actually move, proceed with the issuance of decision, even if the dissenting votes are not there, even if the dissenting argumentation is not there. And that way, I'm also closing with these nice thoughts. So to wrap up the presentation, not the presentation, actually my intervention, the EU-Turkey deal, it's one question, the legal, the restricted freedoms. It's another question how quickly and with what ease we stretch the law. We change the law only to accommodate the EU-Turkey deal. But to me, this latest letter of the separation, it raises the bigger question of separation of powers. Because really, if the judicial authority is there to monitor, to uphold rights, and now we see that how in the name of the EU-Turkey deal, even this line, let's say the last safeguard, is being blurred. Thank you.